Alors. Hop là. Oui, c'est ça. Et QQ. On est donc parti pour un nouvel amusement. Je peux pas virer ma barre là. C'est extrêmement chiant. Alors. Commencer en ligne. Nouvelle partie. Coucou Lettra. Nouvelle partie, vous chargez un zoo. Vous pouvez commencer un nouveau zoo en ligne. Dans tous les modes, vous chargez un de vos zoos sauvegardés. Chargez zoo. Commencer en ligne. Alors, mode tutoriel, oui, découvrez comment devenir un directeur de zoo brillant en jouant à travers les scénarios et mode tutoriel. Commençant par les bases, les scénarios simples vous guideront pas à pas à travers les multiples aspects de construction et de gestion d'un zoo pour vous permettre de bâtir le plus beau des zoos. Wow. Totalement. Je peux pas faire le mode tuto? Ah merde! Ah, peut-être qu'il faut faire le mode solo du coup pour avoir le tuto. Nouvelle partie. Ouais, tutoriel. Moi je veux ça. Une course de voiturette. Oh yeah! C'est pas ça. F, non, capture d'écran, c'est parce que je veux... Putain, c'est quoi la touche pour virer la barre Windows en bas, là? C'est extrêmement pénible. Oh, putain. C'est moi, Crocodile Dandy? Oh là, je peux me balader comme ça, sérieux? Bienvenue dans Zoo Tycoon. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre les commandes de base à construire votre zoo et à rendre vos animaux et visiteurs heureux. Appuyez sur espace pour continuer. Yes. Oh, mais c'est stylé. Oh, je suis déjà... je suis un visiteur qui est déjà heureux. Regardez-moi ces enfants comme ils ont l'air heureux. Oh, c'est trop cool! Montez dans la voiturette. Allez! Mais Loul! Est-ce que j'ai mis... Oh, merde! Échappe, option... Option, est-ce que je l'ai mis en ouais, qualité élevée? Ok. Allez! Y'a quoi là-dedans? Merde. Tut nut! Au secours. Ah d'accord, les gens ils esquivent, c'est bien. Y'a quoi là-dedans? Y'a une bête là-dedans? Waouh! Non, mais il est vachement bien en fait! Je m'attendais pas à ce que ce soit stylé graphiquement. Enfin, le dernier que j'ai fait, les éléphants c'était des pixels avec une trompe en pixels quoi. Ouah, des girafes! Oh, on peut leur donner à manger et tout! Mais c'est extrêmement cool ça! Oh! Ah, je peux choisir tout ce que je vais lui donner. Tiens, Jacqueline. Faut monter la main, monsieur. Ah. Nom, 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 nom. Mais comment maman, elle est tout petite? C'est trop bien fait. Ok, j'ai rempli mon objectif. Ah là c'est quoi? Ah d'accord, une ensemble. Stand de boisson. Ok. Oui donc t'as le pipi room, les néphélans,
sais pas ce que c'est. Petit rocher tropical, mais il y a rien là-dedans. Ah oui, on peut zoomer, dézoomer avec ça aussi, ok. Le fichier de bien-être des animaux. Tout le monde il est content. Ah oui, oui, ils auraient besoin d'être encore plus contents. Oh, un détritus. Ah oui, d'accord. Ok, tu t'occupes de tout en fait. Il est où le manger des néphélans? Il y a un truc. Il y a un truc. Rocco! Hey! Il a donné une pomme à Rocco. Normalement, il prend avec sa trompe. Youp là! Je trouve ça marrant comment il mange les éléphants. On va lui donner. Ah bah, une banane. Très bien. Je voulais lui donner un citron. Un citron. C'est un citron? C'est une poire? Une orange. Un pimpmus. Ça, c'est dégustation simulateur en fait. Très bien. Puis la voiturette. Ah, je peux siffler ma voiture. Ok. Bah, on a un peu fait le tour des trucs là, non? Bah, y a rien dans celui-là apparemment, donc. Vous voulez voir le pestacle peut-être? Mais non, mais. Arrête! Qu'est-ce qu'il faut réparer là? Réparer. Ah, faut faire ça, d'accord. Attends. Réparation, les réparations. Les attractions cassées ne peuvent être réparées que 3 fois ensuite. Ok. Je veux quand même réparer. Comment on fait? Bah. Bah. On swear. Je comprends rien ce qu'il faut faire. C'est chiant. Pourquoi Ah, on va faire ça déjà. Bah non, mais c'est chiant parce que le tuto il te balance direct dans un zoo, mais il donne pas d'explication sur ce que tu dois faire. Crocodile Dandy. Une sale gueule, Jacqueline, là. Bon, elles ont toutes des vieilles têtes, en fait. Mon début, il y a marqué parler à la dame, mais toi, t'es partie avec tes yeux éliminés vers les voitures. Je vois pas de quoi vous parler du tout. Je n'ai pas du tout joué avec les voitures. Non. Faut que je retourne à l'entrée, du coup. Merde. Nyaon. C'est où l'entrée? Le pipi room est là, l'entrée est là. Très bien. Bon, c'est pas grave, on aura visité deux années à manger avant. D'abord, il a dit c'est moi le directeur du zoo, alors je fais ce que je veux. C'est elle qu'il faut jacter là?
Ah d'accord, très bien. Ah oh, moi en plus il y avait un truc trop stylé. Il est trop mignon. Très bien. Déplacer la souris pour lever les yeux. Ok, faire cette QSD. Ok, vous pouvez gérer votre oiseau comme vous l'entendez. Gérer votre oiseau depuis la terre ferme. Baby button. Tab. Here. Bénéficiez d'une véritable vue d'ensemble de votre zoo. Allons explorer. Appuyez sur Tab pour déplacer. Pour déplacer en vue piétonne. Yes, I am a piétonne. On va interagir avec un grand nombre d'attractions. On l'a déjà vu ça. C'était super. Allons à la rencontre des autres animaux. Rendez-vous à l'enclos des éléphants. Charlie, je suis très bien garée. Bonjour les éléphants. Les enclos sont les endroits où vivent les animaux. Modifier à faire espace. Dans le menu modifier l'enclos, vous pouvez voir vos animaux et les modifier. Afficher les animaux. Super, c'est un bon soigneur. Quoi? Un bon soigneur veille à ce que ces animaux se sentent bien. D'accord. Ah d'accord, éléphant indien, habitat préféré, forêt tropicale. Forêt tempérée, enfin, d'accord. Il a faim. Il faut donner à manger. Mais quoi? On dirait que ces éléphants ont faim. Bah oui. Viens, Jean-Bobby. Ah, encore Rocco. Qu'est-ce qu'il bouffe? Take my banane, Rocco. Yes! Bravo! En répondant à ses besoins de nourriture, vous avez rendu cet animal heureux. Appuyez sur espace pour continuer. Les animaux heureux attireront davantage de monde. Entre les visiteurs heureux, davantage de monde signifie davantage d'argent pour votre zoo. Ah, ça nous parle. Plus vous avez d'argent, mieux c'est. Cela signifie que vous pouvez améliorer ou étendre votre zoo ou adopter davantage d'animaux. Un beau zoo attirera toujours beaucoup plus de monde et gagnera toujours plus d'argent. Si vous ne prenez pas soin de vos animaux et de votre zoo, ils tomberont malades ou pourront vous être retirés par les autorités. Cela rendra les visiteurs mécontents et il est possible qu'ils ne viennent plus dans votre zoo. Utilisez MASH pour faire apparaître le volet information et voir les besoins des animaux. Bah non, ça fait... Ah merde, toucherai ma nante. Fiché. Mais MASH, ça ne fait absolument rien, Jacqueline. C'est ça, MASH ? Non ? MASH ne fait rien. Ah d'accord, fallait que je me mette là. Ok. On dirait que les éléphants ont reçu toute l'attention dont ils ont besoin. Vous possédez également des girafes dans votre zoo. Rendez-vous à l'enclos des girafes. Y'a Bardi. Oh, dis donc, qu'il a l'air con. Pauvre gosse. Youhou!
Exactement comme pour les Indiens, basez-vous près de l'enclos, appuyez sur espace pour faire apparaître le menu. Putain, j'avais allé en bout de croc-retour. Wensley Dahl, Jesse Merlin. Ok. Mais il est trop mignon! Tu touches choupinou pinou! Ils ont faim! Viens, Merlin! Wesh, viens! Bah, y'a personne qui vient. Allô? Merlin? Quoi? La renommée du zoo est accrue. Ah, très bien. Trigre de Chine. Ok. Une banane! Pas des pitons! Toundra, rochers, prairies, des trucs et des machins. Parfait. Jérôme semble beaucoup plus heureuse maintenant. Utilisez Mage pour vérifier. Vous voulez d'informations, hein, rassurez-vous qu'elles ont plus besoin de rien. Waouh. Bravo, vous avez rendu vos humains très heureux dans ce tutoriel 3. Dans le tutoriel 3, nous apprendrons à construire une station de nourrissage pour que vos animaux puissent se nourrir. Appuyez sur espace pour continuer. N'oubliez pas, faites en sorte d'avoir des animaux heureux en répondant à leurs besoins. Avec des animaux heureux, vous attirez davantage de visiteurs et gagnerez plus d'argent. Et l'argent, c'est important. Vous pouvez commencer, vous pouvez voir comment se porte votre zoo en regardant l'interface en haut de l'écran. Elle indique l'argent dont dispose votre zoo, son niveau de renommée actuelle, sa note de visiteurs. Vous pouvez également voir si la fréquentation est en baisse ou en progression. Donc nous, on gagne max de thunes, on est niveau 6 et on stagne à 2500. Explorons le zoo. On pourrait le faire en courant, mais il existe un moyen beaucoup plus rapide et amusant de se déplacer. La voiturette. Appuyez sur F pour siffler votre voiturette. J'aime bien. Ne vous en faites pas des visiteurs, écrasez-les, ils ne sentiront rien. SRB peut utiliser le frein. Pour de super dérapages. Pourquoi faire? Oh, trop de touches. Oula. Bonsoir, je ne vois absolument pas ton pseudo. Tu es tout jaune sur du blanc. C'est horrible. Je vois pas qui c'est. Bonsoir. Oh. On prend bien soin de vos animaux en répondant à leurs besoins sur la nage de Zoot et Kuna. Stéphie, t'es en jaune fluo, Stéphie. Jaune fluo sur blanc, je te jure, je vois rien du tout, quoi. Comment va? J'ai pas envie de faire tous les tutos, c'est super long. Je propose de faire direct nouvelle partie. Commencer. Ça va, c'est le week-end. Yeah, yeah, yeah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trois modes. Mode campagne. C'est dans le mode campagne que les directeurs de zoos dignes de ce nom font leur preuve. Jouer à travers 30 zones. 30 zoos basées sur des scénarios dans 6 catégories pour devenir le meilleur directeur. Un jour je serai le meilleur directeur. Je ferai plein de profits. Pin, pin, pin. Pour devenir le directeur de zoo, jusqu'à 3 amis en ligne. À chaque fois que vous terminez un scénario, vous recevez en récompense un objet unique à utiliser dans votre zoo. Dans le mode bac à sable. D'accord. Mode défi. Le mode défi vous permet, à vous ainsi qu'à 3 amis en ligne, de créer des zoos ensemble.
Avec des fonds limités, votre objectif est de construire un zoo et de terminer la collection de zoos de chaque lieu tout en réglant le grand défi de gestion qui se présente devant vous. Votre progression est un défi dans un défi et sauvegardé automatiquement. Si vous souhaitez le recommencer, vous pouvez libérer les zoos. Les zoos ne contiennent pas tous les mêmes espaces. On va peut-être faire... Ah ouais, je suis hyper heureuse que ce soit le week-end, j'en peux plus. D'ailleurs, il va falloir que je joue avec Nours, là. Mon live de lundi me paraît un peu compromis. On m'a calé une réunion à 9h et à 17h, ils ont décidé de faire le pot d'accueil des résidents. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer. J'espère qu'à 18h30, je suis partie, mais j'ai peur. Alors, oh mais putain, mais t'as plein de choix, en fait. T'as des choix, et dans les choix, t'as des choix. Très bien. Il y a trop de trucs, c'est cool. Campagne originale. Les scénarios de la campagne originale de 2013 vous feront voyager à travers le monde pour devenir un pro de zoo tycoon. Campagne d'Amérique du Sud. Cette campagne est axée sur les animaux d'Amérique du Sud. Elle nécessite une bonne connaissance du jeu. Alors n'oubliez pas de jouer d'abord à la campagne d'origine. Ok. Alors, objectif. La girafe du Niger se sent seule. Pourquoi ne pas adopter une compagne pour ce mâle? Les visiteurs s'attendent à voir un lion dans votre, des lions dans votre zoo. Adopter au moins un lion d'Asie. Répondez aux besoins des animaux et des visiteurs pour préparer votre zoo à une inspection. Augmenter le niveau de renommée. Ah ouais, d'ailleurs, d'accord, c'est des parties genre 30 minutes, quoi. Dans votre zoo, aucun animal. Ok. Et bah vas-y, c'est parti pour notre premier zawaou. C'est chaud, non? Je me rends pas compte. Ok. Plus tard. Notification contrôle. Côté de la girafe du Niger, de l'enclos de grande savane, se sent seul, déplacez-le avec un animal compatible ou adoptez un animal du même type. Oh, c'est mignon ça. Je peux pas interagir avec lui? C'est mignon, mais c'est un peu nul. D'accord. Où est ma girafe? Il y a des éléphants? Quoi le truc là-bas? Pardon. Je suis vraiment étouffée avec... Il est là-bas. Je suis vraiment étouffée avec... Qu'est-ce que c'est? Non mais... C'est ça que je veux! Alors, animaux. Adopter un animal. Girafe. Girafe du Niger. Kiri kiri kiri. C'est un Grace. Girafe du Niger, girafe Camelopardalis paralaralara. C'est une seule espèce de girafe vivant en Amérique. Compagnon, nana, ok, adopté. Hello player. Ah, il me l'amène en hélicoptère et tout. Allez, on lui a amené une femme. Trop cool comment c'est fait. Personnes sont des personnes heureuses. Très bien. Assigner des spécialistes de la reproduction zoologique en enclos donnerait quoi? Ah d'accord. Ok. Des spécialistes de la reproduction. Ok. Faut que je revienne.
trop obligé d'enclos. Station de nourrissage, station de poisson. Bah ouais, je sais pas trop. C'est ça que ça mange cette merde normalement, je crois. Il me semble utile, il me semble. Bon, ils sont heureux, ça y est. Bien-être dans l'habitat? Pourquoi ils sont pas bien dans l'habitat? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je comprends pas. Pourquoi je suis là? Je comprends pas non plus. Excusez-moi, je comprends pas. Contrôle. Votre zoo a reçu le prix note du zoo. Ok. Aucune station de lavage dans l'enclos forêt tropicale. Construisant au moins une pour qu'elle reste propre. Ok. Et... là-dedans ? Attraction, décor. Mais... ah, station de lavage, d'accord. Merde. Pardon. On va leur mettre ça. Station de lavage et lance sculptée. Nia, nia, nia. Très bien. Ils sont heureux. Je crois. Il n'y a qu'une station de lavage dans la grande savane. Objet. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Construire une station. On va mettre la crocro. Voilà. C'est bon. Hubeir, le éléphant indien de l'enclos ne veut pas manger. Veillez à ce qu'il puisse manger dans une station de nourrissage. Ils me font chier. Objet. Bien-être, station de nourrissage. Ça mange des fruits. Oui. Y'a que ces deux-là? Ok. C'est bon? Qu'est-ce que votre nouvel objet? La station de nourrissage Hubeir, l'éléphant indien de l'enclos moyen, peut désormais manger. Alors c'est quoi ça? Assigner les spécialistes de la reproduction zoologique en un vrai coup de fouet à l'effort de conservation. Engagez-en dans le centre de reproduction. Merde. Non, je veux juste sortir de là en fait. S'il vous plaît. Ça. Ah. Le centre de reproduction, c'est où ça? Il est où le Tac Tac Center? C'est rigolo ça. Mais il y a un Tac Tac Center au moins. Je crois que c'est un bâtiment à construire. Ah d'accord, ok. Alors attends. Quitter la voiture. Oui. Construire le zoo. Bâtiment. Centre de reproduction. Exactly. Oui. Ah, faut que ça cherche, d'accord.
Allez, je sais pas conduire. Ça va, Chino? L'objet station de lavage élan sculpté, je n'ai pas vu. N'a plus d'eau et doit être rempli. C'est extrêmement pénible. Mais il n'y a pas d'employé dans mon zoo en fait? Ou comment ça se passe? Parce que. C'est chiant si c'est à moi de tout gérer là. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Remplir. Bah je sais pas. Je suis dans le tuto pour l'instant peut-être, Jean. J'avoue que là... Forêt tropicale moyenne, n'a plus de nourriture. Mais c'est chiant! Bâtiment. Centre de reproduction. Ah d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il n'y a pas d'aller. Pourquoi j'ai fait ça? Bah... Non mais non, mais pas réparer. Relier. Bah oui, quoi. Mais je m'en fiche! Laissez-moi. Voilà. Bien comme ça. Relier. Il y a un petit truc, là. Voilà. Ok. Personnel. Ça doit être ça. Engagé. Bridget, Hido, Bridget, Pedro, Cryon, Jan, Barry. Apprendre Hido, ça a l'air d'être le plus compétent. Je vous engage. C'est bon, j'ai un Jean Bobby qui travaille là du coup. Je peux pas rentrer, mais j'ai totalement un Jean Bobby qui travaille là. Ils sont ridicules avec leurs costumes, ces pauvres gamins. Ridicules. Faut que j'aille où, du coup? Nourrissage, éléphant. Putain. Mais on peut stepper, je crois. Ouais, c'est ça. Éléphant, éléphant, éléphant. Éléphant, éléphant, éléphant. Ils sont pas là, les éléphants? Comment on fait, déjà? Et je peux totalement me TP normalement, pourquoi ça veut plus? C'est là. Comment j'ai fait tout à l'heure? Mais je veux pas mieux me TP! Pourquoi j'ai réussi à me téléporter plusieurs fois? C'est chiant. Allez. Digne droite? C'est quoi ça, digne droite? C'est de la merde. Oh, mais ça m'énerve! Mais je veux pas modifier! Putain que c'est chiant. Objet. De la bouffe. Voilà. Nya 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 nya. Non. Oui. Ido, spécialiste de la reproduction du bâtiment 101, n'est pas affecté à aucun enclos. Ah, d'accord. Très bien.
Ça me TP pas du tout. Bon, Et pourquoi je suis là? Ça me TP absolument pas aux endroits où je demande que ça me TP. Je ne comprends pas. What is the bullshit? Mais non, attends, je suis totalement quelque part là, monsieur, madame. Personnel. Ido. Affecté. Ah, d'accord, grande savane. Es-tu un homme heureux? Ok. Tu as l'air d'être bien? Ok, donc c'est comme ça qu'on construit. I understand. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Mais c'est long. C'est grand ça aussi. Oui, d'accord, je peux totalement agrandir le zoo de ce côté. C'est magnifique. Des ballons pour des enfants. Oui. Allez, un bureau de service, de nettoyage ou de je ne sais quoi. Bureau d'entretien, voilà, entretien. On tout met dans le même coin. Je sais pas si je trouve ça bien ou pourri qu'il y ait déjà totalement des zones prédéfinies pour les bâtiments. Don... Re... Lol. Jeremiah... Oh, Gustavo, si. Engagé. Si. Je pense qu'on peut au moins en engager deux. Bah, Fernando et Gustavo, si. Perfecto. Au boulot, maintenant, Sandra. C'est pas ça que je voulais prendre à la base. Si c'était totalement ça. On va mettre un pipi room. Parce que c'est un peu important quand même, des pipi rooms. Je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas. On va en mettre un là. Ah bah t'es encore là toi? Je te parlais tout à l'heure, tu répondais pas. Je pensais que t'étais totalement reparti faire preuve de traîtrise. Comme d'hab. On va mettre un autre pipi room totalement là-bas. Voilà. C'est après le spectacle. Bah non, en fait. Sinon, tu m'aurais entendu. Voyez. Oui, centre de soigneur. Ah bah oui, totalement. C'est important. Alors, nourriture et boisson. Fast food, milkshake, stand de glace. Ah si si. Bah tu n'écoutes pas comme d'habitude, Nours Lotla l'abandonné. Ce que je vous dis, vous n'écoutez rien. C'est quand même un scandale. On peut le mettre là, le truc de vie. Allez. Collier, ici.
trucs de boisson. Ah ouais, d'accord. Ça, ils se font pas chier pour les présentoirs. Très bien. Où est-ce qu'on en est? Les agents d'entretien de votre zoo n'ont pas grand-chose à faire. Vous devriez renvoyer quelqu'un. Renvoyer quelques-uns. Ah. Bon, bah d'accord. Il est où mon truc d'entretien? Je sais même pas. Excusez-moi, je vous ai perdu. Je voudrais vous virer. Et je vous ai perdu. Where are you? Il est là, mon truc d'entretien. Personnel, je suis désolée, Fernando, mais vous êtes viré. Oui. Désolée, Fernando. Revenir au zoo? Oui. Je comprends pas pourquoi des fois ça me TP, des fois ça me TP pas. Ça me dépasse. Je comprends rien. Il faut que je recharge la douche ici. Ouais, c'est ça. Va regarder la rediffusion pour trouver de quoi tu parles. What? Mais c'est quoi encore ce jeu scatophile là? Je comprends pas. J'ai littéralement fait exploser un éléphant ou j'ai totalement rêvé? D'accord, en fait, faut que je passe en rue piétonne pour que ça fonctionne. Que je veux, nia nia nia. Station de recherche de fruits de l'entreprise. Fait chier lui. Enclos, nia nia nia. L'autre. Voilà. Remplir. Mon stand de milk shake est prêt. Ouais. Milk shake, c'est cool. On va en mettre un... Là. Ah, mais c'est beaucoup trop simple. On peut plus. Allez, une grosse machine à mi-sec. Encore 8 minutes. Hubert, l'éléphant, un forêt tropicale moyenne, ne se sent pas très bien. Essayez de lui donner un nouveau jeu. Yes, Hub. Il est où, Hub? Il est là. Don't cry, Hub. Animaux. C'est pas ça. Objet de bien-être. Impossible de modifier l'enclos. L'espace de clos est insuffisant pour placer cet élément. Quoi? Coucou, Yoni. Décor d'enclos? Ah. Bah non, c'est pas ça. Bah non, il me faut un jeu pour de vrai. Comment je fais? Personnaliser. Bah, je peux pas le rendre genre plus grand? Relier. Est-ce qu'on peut pas... Le relier... Aucune allée ne peut être construite. Ok. Non, là, je suis sur le tuto pour l'instant. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ours sauvage. Je ne comprends pas. Déplacer.
Attends, je peux juste pas le faire plus grand en fait. Et ça, c'est juste complètement de la merde. Comment... Mais attends, mais c'est pas ça. Comment je fais pour mettre des jeux? C'est nul. Que je déplace sur une zone plus grande. Ah oui, mais je peux pas l'augmenter. Du coup, ça sert à rien de le déplacer si je peux pas augmenter. Non, ça sert à rien. Oh, j'arrive même plus là. Mais non. Je trouve ça très chiant. À partir sur du mock bac à sable, cette histoire, parce que là ça m'énerve. Je comprends pas en fait. Mais pourquoi je suis là? Mini enclos. Oh, je peux faire que des petits enclos. On va commencer par relier l'enclos des lions à celui des gazelles, ce sera chouette, n'est-ce pas? C'est parce qu'il faut que je cherche des enclos plus grands peut-être, ok. Oh, je me suis chiqué la joue, ça fait mal. D'accord, je crois que j'understand. Après, je pourrais virer leur enclos et les transférer dans notre enclos. Ah ouais, mais enfin, c'est tout. C'est tout comme ça en fait. Genre, c'est fini le temps où les jeux de gestion géraient vraiment des trucs. Ouais, tu poses juste des bouts de trucs. Ah ah ah. Nya 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 nya, ours. Nya 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 nya. Rigole, rigole. N'importe nawak. Donc là, normalement, si je fais zoo, enclos, forêt tropicale. C'est pas forêt tropicale? Mais je viens de le faire, ça, non? Pas. Ah d'accord. Bizarre. Bizarre. On va aller en bac à sable, je pense, après. On a à peu près compris, hein.
faire des trucs jolis, mais des trucs de bouffe, des chiottes, des animaux. Les gens sont contents, on embauche des gens pour s'occuper des animaux, parce que c'est chiant sinon. Le contrôle marche pas quand je suis en voiture, d'accord. Et salut Maris! Comment ça farte? Je reviens dans mes... Je viens de m'en voir un... ça. La part du lion. Ah, je l'ai pas fait encore. Merde. Ah, mais est-ce que... Ah, je me suis chiqué, ça fait mal. C'est aride, je pense. T'as testé Overkill aujourd'hui avec Jean et Radis, c'était top. Overkill. Qui y c'est? À 36 secondes, c'est dead. Je n'ai pas de lion. Ah, The Walking Dead. Ouais. Je sais pas, les vidéos que j'en ai vues, ça m'a pas hypé de ouf. J'ai réussi? Ah non, j'ai pas réussi, ouais. Bah ouais. J'ai pas fait le lion. Ah, on peut faire plein de zoos. Tu reviens, oui? Faire des nanimaux. Oui. Ouais, ça va. Fatigué, mais ça va. Se plaignent de la faible densité des animaux. Bah, c'est normal, je viens d'arriver, Jacqueline. J'adore. Toucou, toucou, tou, coucou. Il est trop bien fait. C'est le week-end, comment veux-tu que ça n'aille pas? It's impossible. Oh, mais Yoni! Ah, fais le malin, ours. T'as raison. Alors. Mais dès l'entrée, comme ça? Petite forêt tempérée. Qu'est-ce qui va en forêt tempérée, du coup? Ou est-ce que j'en fais un... Comme ça, direct? Non, là, c'est des trucs de bouffe. Hein. Allez. On en met un, là. Un spammeur du week-end. Adopter un animal. Ou quoi? Animaux donnés? Pas d'animal, ok. Alapaga, ça va dans quoi? J'ai besoin d'une fiche. Plateau, pas du tout. Antilope. Je sais même plus ce que j'ai acheté, bordel. C'est quoi mon environnement, là? C'est quoi? Petite forêt tempérée, très bien.
Attendez! Laissez-moi trouver un animal pour mettre dans ma petite forêt tempérée. Qu'est-ce qui va dans une petite forêt tempérée? Si ça se trouve, j'ai acheté un truc, il n'y a rien qui peut aller dedans. Ça aurait peut-être été bien de vérifier avant. Je voudrais du 3 étoiles en fait. Oh, un petit lama. Un lion. Ça va être totalement. Un ours, montagne. Ah, forêt tempérée. Bah, parfait. On va prendre un ours loupi-loupi-lou. Nia 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 nia. Au taf, faut payer l'arrêt de l'ours. C'est bon. On va pas financer les cotorep non plus jusqu'à la 5 linglin, faut pas déconner. 28 000, 11 000, Boris. Niveau 10, niveau 7, niveau 3. On est limité. Merci pute. Médusrus irisus est une espèce d'ours proche de l'ours brun originaire du sous-continent indien. Groupe minimum d'animaux de statut de conservation vulnérable. Forêt tempérée. Adopté. L'ex-chaumiste, excuse-moi, monsieur. T'as été chaumiste avant moi, hein. Je te ferai dire, hein. Alors tu vas te détendre. C'est une nana ou c'est un mec que j'ai acheté? J'ai même pas fait gaffe, bordel. T'es qui l'ours machin là? Eh, t'es qui? Animaux. Cora. Animaux. Ours machin. Gérard. Tiens, Oscar. Niveau 10. Non. Adopté. Voilà. Parce que tu crois que je suis fonctionnaire. Putain, encore une fois, si j'avais le salaire et les horaires d'une fonctionnaire, les heures sup, ça n'existe pas chez les fonctionnaires. Tu vas te détendre tout de suite, monsieur. Je vais me fâcher. Non mais lol. Fonctionnaire, je me dis quoi encore? Putain, vaut mieux en tant que sac d'être sourd que dans tant de sac d'être sourd, hein. Je vous le dis, moi. Merde. Pardon. Ouais, niveau 2. C'est une station de lavage. Oiseau de pierre. Et là, on peut mettre quoi? Objet de bien-être. Ouais, mais c'est pas pareil, t'es pas le même genre de fonctionnaire, c'est pas trop, à ça, migratoire pour les ours. Bien ça. Attraction. Ah non, c'est décor ça. Décor naturel, ouais. Ça peut être marrant ça. D'accord. Bon.
Et bim. Accident de voiture. Enfin, faut comprendre, les médecins, c'est plus l'heure. C'est plus l'heure. Ouais, non, mais il y a normalement, il y a des gens tout le temps aussi. Il y a des permanences chez les médecins. Enfin, c'est pas pareil. Vous êtes pas des vrais fonctionnaires. C'est peut-être encore pire ce que je suis en train de dire. Je me rends pas compte. Comme ça, les bancs. Ouais. Les poubelles. Il y a encore plusieurs catégories après. Je sais pas à quoi ça sert ça. Alors, bâtiment. Tour de reproduction, on va le mettre ici. C'est vrai que quand tu vois la nature arriver la main dans son froc avec ses crocs aux pieds en mode ok c'est à qui le tour alors que toi t'es dans la salle d'attente depuis 2 heures et que ton rendez-vous était... Ouais. Trois étoiles. Eleanor, allez. Engagé. Affecté en enclos, bim. Enfin, installation. Tifertissement. Bah du coup je trouve que c'est un peu devenu naze hein, ce jeu. Enfin comment dire. Le but quand même c'était de. C'était de pouvoir enfin vraiment construire de A à Z quoi. Là, on construit plus de A à Z maintenant. Ils font des blocs. Je trouve ça un peu dommage en fait, entre vous et moi. Bâtiment, pipi room, important le pipi room. On va en mettre un là. Là, je suis assez dubitative en fin de compte. Je trouve ça très bizarre.
Bon. Décor. Fontaine. Qu'on peut mettre un petit lac derrière les ours. Bon, on a peut-être le temps pour mettre tous ces trucs là. Merde, on va faire un enclos. Enclos, parce qu'après tout, on vient quand même voir des animaux. Forêt tempérée. On peut mettre à côté d'une ours. Animaux, forêt tempérée. Adopter un animal. On en était au ours. Ça va pas être là-dedans du tout. Non. Peut-être d'autres styles d'ours. Est tempéré, c'est tellement les mêmes quoi. Non, lui il casse les couilles. Lui. Et bah, on peut prendre leur cousin, ils ont exactement la même tête, c'est perturbant. Mais Soki et Maggie, non, Soki et Thunder, vas-y, on va mettre Thunder. Et ce qui... On est chez les ours là. Bien-être sensoriel. Ok. Centre d'activité grattoir, jeu de cordes. Je resterai bien sûr du grattoir, moi, pour les ours. On va leur mettre un comme ça, type il en faut peu pour être. Je me souviens de Balou. Il avait l'air content. Il y en a un autre sur des animaux ou pas? Ah ouais, non, c'est ça. Je peux pas en mettre plus. On va le relier là quand même. Bah oui. Quand même. Voilà! Des ours et encore des ours! Au secours! Ça, je suis pas sûre que ce soit hyper pertinent par contre, là, leur truc sensoriel.
Mis à part lion, tigre, chimpanzé. Ah oui, non mais ok. On peut même pas l'utiliser. Mais barre-toi. Modifier. Vendre. Oui. Je préférais soin des... Ah là. La viande de la bouffe à base de miel est un parc à thème. Chafou. C'est une bonne filon. Hop là, station de lavage. Allez, bim. Parfait. Après, ici, on peut mettre un bâtiment. Non. On peut mettre une installation de nourriture. Truc de boisson. Bim. Et bim. Et bim aussi. Très bien. Et à côté, on peut mettre un décor. Statue. On a quoi? Là, c'est pas mal ça. Faire 50 nuances de chemin. Loul. Décor. Gna gna gna. Gna gna gna. Petits arbres. On peut en mettre là. C'est bizarre d'avoir des trucs tout vides. Ça rentre pas là-dedans. Ce champ, du coup, c'est toujours les mêmes arbres, mais. J'aime pas tout vite, c'est pas top. Oh mais je te parle pas, t'inquiète, vas-y. Fouille. Fouille, monsieur, fouille. On va se mettre une petite forêt là. Sinon, ils sont où les dinosaures? Il y en a pas. Ils sont morts, je crois. Dino is dead. Voilà. Techniquement, les poulets sont des dinosaures. Oui. Yes, sir. Oh merde. Ah bah non. Non, 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 non. Allez, je veux totalement un rond-point. Really? Non, 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 je veux pas un rond-point. Je veux une allée. Bah oui. Merci. Thank you. Donc là, on a fait des ours ici. On va partir dans quoi? Enclos. Forêt tropicale. On va faire un enclos moyen direct. Bim. Paf. Et paf. Et qu'est-ce qu'on met là-dedans? Je vous le demande. Que mettons là-dedans? On va mettre un truc de soin. Une jolie petite... on peut mettre... Ah non, ça dépend. Bien-être. On peut mettre un abri. Hippopotame, anapana, rhinocéros, hippopotame. C'est mignon ça. Il
Merde, ils mangent ça les ours. Ouais. On va mettre ça. Ok, donc animaux. Animaux. Qu'on a tout pris pour des hippopotames. Hippopotames, ça va là-dedans. Putain, fait chier! Ça va pas. Ça ne va pas du tout. Objet. Bah ouais, mais... Bon, ça, c'est bon. C'est bon. Remonte. Ça, modifier. Vendre, oui. Bien-être. On va vendre ça aussi. Forêt tropicale, c'est mon truc, là. Forêt tropicale moyen. Qu'est-ce qui va là-dedans? Non. Ah bah voilà, le bongo des montagnes. Forêt tropicale, parfait. Jason et Willow. Kenny. On va prendre Willow déjà. Voilà. Et Kenny. Il a un bon nom de merde. Donc des antilopes. Des antilopes, hippopotame, antilope. Je vais mettre ça. Ok. On va essayer de faire le reste. Bien-être. Peut-être leur mettre quand même antilope. Lama. Antilope ours. Lama. Hippopotame. Ok. Éléphant. Non, non. Grattoir. C'est pour les ours, ça, ouais. Ah, antilope. Bim. Très bien. J'en ai encore un là. Essayer de trouver autre chose. Dans l'escalade, ça m'étonnerait pour les antilopes là quand même. Ouais. Petite pataugeoire pour les antilopes. Hippopotame éléphant. Hippopotame, hippopotame éléphant. Pas du tout. Une table. Antilope, je pense pas non plus là. Un toboggan pour les antilopes. Je pense pas non plus. Très bien. Il n'y a pas d'abri du tout pour une petite antilope. Même un petit truc pas ouf ouf, mais elles sont même pas dedans. Les kunas. Antilope 1. Antilope 1. Antilope 1. Bon, vas-y, on va en la mettre comme ça. Hein. Ça n'a pas l'air fifou, mais interaction. On peut pas. Ah, et si ça, je le vire. Attends. Ce serait bien net, là. Parce que, bon, ça, dans l'absolu, on s'en fout un peu. Parce que si ça, je le vire, je peux mettre un truc d'interaction. Ouais. Ah, voilà. Antilope, ça marche. Hop. Parfait. Et décor. Non, décor, on a quoi d'autre? On n'a pas modifié. On a d'autres, Jean-Bobby. Fresque. Allez. Statue. Allez. J'en ai un autre, non? Voilà, la boucle est bouclée.
Oui. Comme elles sont mignonnes. Ah ouais, d'accord. Et elles ont un grand enclos. Ouais, vous pouvoir faire plein de bébés, mes antilopes. Mais pour ça, il faut que je recrute un docteur bébé. Putain, ils sont moches les murs comme ça. Le chat a encore tout foutu par terre. Joseph, Jorge, Umberto. Ah, il va encore dire que c'est moi qui suis sectaire, mais c'est totalement le jeu là. Hein. En fait. Bim bam boum. Bâtiment. On en a un. C'est pas ça que je veux faire. J'aimerais aller au centre de recherche. Il est où? Centre de bidule là. C'est là. Affecté en clos. Non. Engagé. Putain, il en faut un pour chaque truc. Ça va faire du monde là, cette histoire. Ils sont tous nuls. Michel, pourquoi êtes-vous nul? On met jusqu'au niveau 2. Oui. Jusqu'au niveau 3. Oui. Affecté, forêt tropicale. Bien. Pas refait. Hop là. Donc on a des ours, des antilopes. Et un nain de jardin. Oh, c'est mignon. Des poissons. C'est beau, Maris. Il t'aide pour faire ta ferme? Il y a des chances sympas pour te filer un coup de main. Forêt tropicale, je crois que c'était. Donc l'antilope, on a fait. Bah voilà, on peut mettre des singes. Re. Ah bah Seymour, Mr. Seymour. Et Candy, parfait. Elle vient en scred à côté de moi. Une future geek. Alors. Budget de bien-être. Non. Non. Et elle demande d'y jouer. Bah, tu m'étonnes. Elle passe du temps avec sa maman comme ça. C'est normal qu'elle demande. Qu'est-ce que ça bouffe, ça?
Chimpanzé. Mur d'escalade. Ah ouais, on va leur mettre un mur d'escalade. J'ai pas d'autre endroit, ok. Il joue à Dishonored après, je crois. On m'applaudit parce que je mets des arbres, j'adore. Ça, on peut mettre quoi? Pipalipilou. Une place? On peut faire quoi? Repose-toi bien! Bisous Yuni! Place tortue? Ouais, place éléphant. Ouais, bon, en fait, non, pas place. Ah, on peut totalement mettre là-bas, par contre. Là où il y a des ours. Mais c'est parce que je veux... on peut mettre encore un truc tropical. Enclos. Tropical. Merde. Hop. Relié. Qu'est-ce qui va encore dans du tropical? Au final, j'avoue que je suis quand même un peu déçue par le jeu. J'avais hâte de tester, mais... forêt tropicale. On va prendre Ariane. Hercule. Je peux en mettre deux. Du bord d'Amérique centrale, donc le foie tropical ne peut pas manger. À deux secondes, je suis en train de le faire. Enculé.
Ok. On peut mettre ça là. On peut mettre un nouveau bâtiment. Plus installation. Alors, divertissement. On peut mettre une petite mascotte du lion. Ou mascotte de tigre avec le jaguar, ce serait peut-être mieux. On va mettre un pipi room aussi. Pour les petites pisseuses comme moi. C'est bien vert. On a mis un pipi room par là. C'est un pipi room, ça, je crois. Ouais. Ok. On va pouvoir aller par là maintenant. Une petite fontaine à côté de ça. Ce sera choupinoupinou. Alors, un clou. Si on a fait ça, on a fait montagne. Waouh. C'est balèze ça. Tu fais quoi? Très bien. Alors, montagne. Là-haut sur la montagne. Dans la montagne, tu peux mettre des marises. Montagne. Marie, défends-toi. Dilly crotte. Gna gna gna. J'ai un truc au moins qui va dans les montagnes. Je vais encore caler un ours. Bon, le grizzly, il me semble que c'est montagne. Voilà. Lexi. Yes. And Winnicott. Yeah. Coucou. Je suis sage là. Laissez-moi, mais je suis sage. La pauvre. Pauvre Maris. Tigre, ours, bim. Un grattoir. Les ours, non? Lama, lama, lama. Ah, le toboggan pour les ours. Ok. T'as envie d'aller péter du zombie? Bah, va. Que faut-il faut que je foutisse? T'es tout le zombie s'il faut le foller.
Ah merde, un truc de bien-être prend trop de place. Ah. Bon, on va virer un objet de bien-être. Non plus vers quoi? Vers ça. On va virer ça. Il y a des arbres, ils pourront se faire les griffes là-dessus. Parce qu'il faut quand même leur foutre à manger. C'est pas obligatoire quand même. Ils vont manger du poisson. Voilà. Bon, toute sincérité, je pense pas que. Je pense que je vais changer et qu'on n'en fera pas la semaine prochaine parce que. Ça m'énerve en fait, parce qu'il me hypé de ouf ce jeu et je ne vois absolument pas l'intérêt du jeu. Enfin. Bah non, mais enfin, normalement, un tycoon, c'est. T'as de la gestion, tu vois, derrière. Là, tu gères rien. T'as juste rien à gérer. Le jeu est joli. Mais tu gères rien. Enfin, c'est même. Même pour faire un peu les décors et tout, c'est tout se pose automatiquement. C'est des blocs. C'est t'as plus le truc où t'as un menu avec 1 500 000 objets et tu mets ça comme tu veux. C'est. Je suis carrément déçue, en vrai. Obstacle? Quoi améliorer obstacle? Ah d'accord, ok. On va changer. C'est de la déjection ce jeu. Je n'irai pas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est de la déjection. Mais c'est pas bon. Enfin. Mais je note l'effort. Je note l'effort, Latra. Non, j'avoue que c'est juste. C'est juste décevant par rapport au, par rapport aux opus précédents, je trouve. Qu'ils ont un peu oublié. Enfin, pourquoi on joue à des tycoons, quoi. Ouais, c'est un peu la déception. Le jeu est pas. Enfin, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mauvais ou quoi que ce soit, juste. Je comprends pas le parti pris en fait d'avoir fait des blocs comme ça, c'est. J'aurais tout de suite dû améliorer les trucs à fond. Ça c'est pareil. Il voulait pas que j'améliore parce que j'avais pas de place, mais ça n'a pas. Le pack n'a pas grossi dans Yota. Why? Why? Là, je suis en mode bac à sable. J'ai fait un peu de tuto, mais j'ai fait un peu de bac à sable histoire de regarder un peu, quoi. Enfin, normal. Ouais, il y a plusieurs modes. Ouais, j'ai vu, hein. Mais tu peux faire comme tu veux. Enfin, c'est exactement la même chose, sauf qu'en mode bac à sable, t'as budget illimité et que tu peux faire tout ce que t'as en mode campagne. Les campagnes, t'as juste des objectifs. Ouais, j'ai commencé le tuto, mais c'est beaucoup trop long aussi. C'est chiant. Ouais. Non, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas ce qu'ils ont fait.
Je peux pas engager plus, d'accord. J'ai un truc normalement. Gars d'entretien personnel engagé. Marco! Waouh! Waouh! Allez, à bas. Avec un peu de chance, il chante. Hop. Et t'as pas mal de place quand même, hein. Enfin, mais qu'est-ce que tu fais jusque-là? Je comprends pas. J'ai un poquito de mal à comprendre tout ça. Magasin des pilouches. Son truc avec des oiseaux, on s'en fout. Magasin de peluches, tiens, allez. Acheter des pilouches. Et des feux d'artifice d'amélioration. C'est vraiment cheap. Mais c'est parce qu'ils sont contents. Vas-y, tu comprends rien. Tu fais pas d'efforts, Annie. Donc après, on va faire un outback. Un grand... Un putain de grand outback. On peut pas tourner, ça? C'est pareil. Pourquoi est-ce que les enclos, on peut pas... faire pivoter à gauche? Ah, si on peut. Ça, c'est juste parce que je suis nulle. Bim. Pleure pas, Rania. Je te charrie, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Don't cry, run. On peut relier ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'habite dans le outback? Dites-moi, quel animal qu'il est dans le outback? Les antilopes. Mais c'est en deux. Non, pas des antilopes. Des kangourous. Les ours, ils vont partout, c'est ouf. Y'a rien d'autre. Puis tout à l'heure, je déverrouille des trucs, des lézards et des machins, mais ils sont nulle part. Kangourou géant, allez. Dominique, nique, nique. Ok. Combien de trucs on peut mettre dans un grand enclos? Alors, objet. Soin des animaux. On va quand même leur mettre une petite douche. Ça, c'est pareil, c'est chiant. Pourquoi il n'y en a pas plus? Genre pour tous les enclos, t'as trois trucs. Franchement, c'est... Ouais, c'est bizarre. Des kangourous. Ça becte quoi, les kangourous? Kangourous. Il y a même pas de bouffe pour eux. Ah si. Des touffes d'herbe. Allez, des objets de bien-être. Est-ce qu'on peut prendre un petit abri pour kangourou? Non. 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 Des jeux pour kangourou. Deux étoiles. Deux étoiles. Oui. On
petit jeu pour kangourous. Les kangourous seront heureux. Non, non. Je suis pas sûre que ça grimpe non plus les masses. C'est pour les DLC de douche. Dans le turfu. Ah mais c'est totalement possible hein. Tout fonctionne avec des DLC maintenant. C'est la déprime. Nya 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 nya. Ben, je ne sais pas ce qu'on peut leur filer au petit Jean Bobby là. Il n'y a pas un autre jeu pour eux? Kangourou, tiens. Hop là. Interaction avec des kangourous. Non, c'est pas ce que je voulais du tout! Putain, le con! Ah bah, si, c'est bon. Ok, t'as de la chance. Bah, on peut en mettre un là. Vas-y. Allez. T'en as bouffé au kangourou. Voilà. Les kangourous, ils sont où? Là. Dominique et Jacqueline. Parfait. Enfin, à peu près. Faire nia 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 décor nia 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 aménagement nia 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 mettre un petit rocher ici Non mais vraiment, je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire. Ça m'agace. Aya don't understand. Bon. C'est pas grave. On va faire un lac. Voilà, un lac moyen. On va mettre juste derrière les plaines arides. Parce que je trouve que c'est bien comme ça. C'est raccord. Lol. On a amélioré quoi là? Mais on les chope où tous ces trucs là, là? J'arrête pas de choper des varons, des trucs et des machins, mais les gars... Où, quand, comment quoi? Mini enclos, bassin tropical, bosquet... Rocher de savane, rocher... Sandbox, et peut-être juste en mode créatif sur la moindre juste. Ah non, 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 j'ai regardé Rania, j'ai fait le tuto, c'était déjà comme ça, et j'ai fait un... J'ai commencé le mode campagne. Dans le mode campagne, c'est totalement comme ça aussi. Pour ça que je dis que je comprends pas pourquoi... comprends pas. Non, non, c'est des blocs. Attendez, on va vérifier. Hein, il est 51, sauvegarde des eaux. Quitter vers le menu principal. On try, mais... le truc, en fait, c'est que... toi, nouvelle partie, mode campagne. Dans le mode campagne, t'as pas... Enfin... On va voir. Quel que j'ai fait tout à l'heure, je sais plus. Dans le mode campagne, il te demande de faire des trucs, tu vois. Mais c'est totalement pack que t'achètes aussi. Enfin, voilà. Puis en plus, ton zoo, il est déjà commencé. Tu vois, le mode campagne, c'est même pas te mettre dans un zoo vide et t'as des objectifs à remplir, quoi. Et te mettre dans un zoo qui est déjà construit avec des objectifs à remplir. Tu vois, et admettons faire bim.
par exemple, bim, enclos, voilà, forêt tropicale, petite forêt, voilà. C'est totalement tout pareil. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de foutre avec ça, mais c'est extrêmement déplaisant, en fait, hein. Et tout. Tout. Les kiosques, c'est forcément des ronds-points. Les trucs de bouffe, c'est forcément des grosses places avec des trucs de bouffe. Les décors. Attends, c'était où les bancs et tout, là, que j'avais vu. Oh, je sais même plus où j'ai vu ça, mais enfin tout, tu vois. Tu veux mettre une fontaine. Moi, je peux pas te montrer, là, c'est bloqué. Tu veux mettre une place. Tu peux pas la créer toi-même. Je comprends pas. Enfin, toi. Oh oui, t'as des trucs jolis, tu vois, je dis pas. Ils auraient pu mettre des trucs déjà tout faits comme ça. Il y en a, hein, dans des tycoons ou des conneries comme ça. Des espaces qui sont déjà tout faits. Et c'est plutôt cool en soi, enfin, je trouve ça joliment fait. Mais tu mets pas que ça. Enfin, tu vois, tu peux même plus créer les limites de tes enclos, quoi. C'est enclos, bon, bah, petit, moyen, grand. Tous tes petits enclos, ils auront exactement la même gueule. Toi, admettons, j'en mets... Tempéré, on a fait. Ouais, tu vois. Hop là. J'en mets deux côte à côte, ils ont exactement la même tronche. Ils ont même pas fait genre une espèce de variation pour pas que ce soit exactement du copier-coller. Je... Dans les objets d'enclos, au final, bah, t'as aucune variation. Enfin, t'as pas de variation. Le jeu a bugué. Allez, il m'a entendu râler, le jeu a bugué. Enfin bref, allez, de toute façon, c'est l'heure. Donc ouais, non, pas... Oh, ce bruit que ça a fait. Le jeu, il a explosé quand je l'ai fermé. Ah putain. Choqué. Très bien. Bon, bah écoutez, du coup, je vais totalement désinstaller Zao Tycoon. Je vais trouver un autre jeu pour la semaine prochaine. Si vous avez des idées de petits jeux... à faire, je suis tout oui, of course. Sachant que sur la TV, j'essaye de pas faire spécialement les mêmes trucs... En tout cas, pas le même genre de jeu que je fais sur ma perso, donc à voir. Je vais regarder. Putain, j'avais fini le planning, en plus, fait chier. Je vais check ça. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Moi, je vais totalement aller décéder dans mon lit parce que je suis fatiguée de ma semaine. Je vous retrouve demain avec les copains pour du multi. Et je vous laisse tout de suite avec le grincheux Lotla. Alias Nours, qui va reprendre l'antenne pour du Dishonored, un truc de déshonneur, là, une sombre histoire. Et je vous fais le bisou, la bonne nuit, ça m'a fait plaisir de te voir, Ragnaou. Peace out.